face à un monde de l'enseignement supérieur sclérosé et face à des universités et des écoles soumises à une gauche dominante et vérolée par des woke de plus en plus influents, il existe une école aux confins lyonnais qui suscite tous les fantasmes de la presse depuis 3 ans. Pour la première fois, un média a pu découvrir en immersion l'ICEP auprès de sa fondatrice et gérée d'une droite conservatrice, Marion Maréchal. Plongée au cœur d'une école qui se veut le fer de lance de la lutte contre l'uniformisation des esprits. Bonjour, bienvenue à l'ICEP, merci. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Vous présenter votre école. Oui, tout à fait. Nous sommes installés ici dans le quartier Confluence de Lyon depuis la création de l'école. Donc maintenant, c'est notre 4e rentrée. Donc 4 ans que nous sommes ici dans ces locaux, on va pouvoir vous les faire visiter. Super, merci beaucoup. Alors pourquoi avoir choisi ce quartier de Confluence en plein cœur de Lyon ? Alors pourquoi Lyon déjà ? Parce qu'il y avait une dimension symbolique. Vous savez que l'ICEP, c'est la volonté de créer une nouvelle génération de dirigeants, une nouvelle élite au service de la France. Donc c'était aussi une manière, choisir une grande ville qui ne soit pas Paris, de dénoncer indirectement ce petit entre-soi des élites parisiennes, symptomatiques finalement des réseaux parfois opaques, des camaraderies obscure et surtout d'une certaine façon de penser le monde et la politique qui est toujours très homogène, parce que précisément très homogène socialement, issue le plus souvent des mêmes grandes écoles, précisément à Paris. Donc il y avait déjà cette dimension qui nous tenait à cœur. Il se trouve que bon, une partie de l'équipe avec laquelle j'ai travaillé depuis l'origine était lyonnaise. Et puis il y avait l'attrait aussi pour le tissu économique de la région, qui est encore ici très industriel, ce qui est intéressant puisque pour nos étudiants, pour leur stage, c'est aussi leur faire découvrir un secteur malheureusement en perdition, mais qui est extrêmement précieux pour la France. Donc pour des gens qui sont amenés à avoir des responsabilités demain, je trouve que c'était intéressant de leur donner cette opportunité. Et puis, alors au départ, nous avions pour ambition d'abord de nous développer en Italie, avec une filiale en Italie. Il se trouve que ça ne s'est pas fait jusqu'alors, et puis nous avons une filiale en Espagne. Donc voilà, mais donc c'est finalement toutes ces raisons qui nous ont conduits ici à Lyon. Donc là, vous avez tout un rez-de-chaussée qui vous est attribué. Vous avez combien de pièces ? C'est une grande superficie. Alors, qui fait à peu près 400 mètres carrés. Nous avons en fait deux salles de cours qui peuvent se transformer en salles de conférence, puisque tous les mois, nous recevons en moyenne donc un intervenant, que ce soit un écrivain, un intellectuel, un journaliste qui vient nous parler de son métier, de son dernier ouvrage, voilà, devant les étudiants et d'autres personnes. Nous avons un studio qui est tout équipé, dans lequel les étudiants s'entraînent au média training, prise de parole en public, ils peuvent se former aussi à la technique s'ils le souhaitent. Une grande salle, alors qu'au début j'avais gardé mes réflexes de député, j'appelais ça la buvette, mais dans une école, à l'Assemblée nationale, on appelle ça comme ça, ça ne faisait pas très sérieux pour les étudiants. Donc je dirais la salle commune qui est une salle de travail et puis oui. Qui vous permet d'échanger, de rencontrer vos étudiants, d'être très proche d'eux en fait. Finalement. Exactement, où ils font différentes activités, ils travaillent très souvent en groupe. Et puis voilà, la petite cuisine qui leur est dédiée, des bureaux administratifs à l'entrée, des bureaux administratifs également ici avec une salle des professeurs et puis une salle d'archives. Et vous avez votre bureau qui est à côté, je crois. Et mon bureau qui est tout à fait juste ici. Voilà, le fameux bureau en question. Avec vue toujours sur... Je peux surveiller les étudiants à travers la vitre, comme ça ils restent sages. Et vous avez toutes leurs photos ici pour... J'ai la photo des étudiants, j'ai la photo des enseignants. Puis vous voyez, on a des cadres un peu qui se baladent partout. Vous avez... ça c'est l'équipe, mais vous avez les stages d'aguerrissement, stages d'automne, stages d'hiver, stages d'été. J'ai participé à quelques-uns, en effet. C'est qui sont des stages de cohésion en nature qu'on utilise un peu comme des week-ends d'intégration pour fixer un peu la solidarité de groupe, puis transmettre aussi un certain nombre de valeurs, d'efforts, de dépassement de soi. C'est dans des très beaux endroits en plus, donc ça leur permet de découvrir des petits coins de France sympas. Si on parle sociologiquement au niveau de la classe sociale, qu'on aime dire, moi je viens d'un milieu
ouvrier, un père ouvrier, une mère femme au foyer. Il y a des personnes qui viennent d'autres milieux, donc c'est hétérogène, mais c'est pas pour autant qu'on va sentir ni une forme de ségrégation, ni de moquerie. Au contraire, d'ailleurs, maintenant ça fait un an et demi qu'on est là, on a noué de vraies amitiés, on forme une vraie classe, on a des vrais liens, et j'ai jamais eu une impression de différence, de sentiment de moquerie ou de mépris, donc à ce sujet-là, tout va très bien, je suis très satisfait de l'école de ce point de vue-là. Et puis les promos, puisque c'est vrai que maintenant, l'air de rien, l'ICEP commence à avoir pas mal de promos passées. Donc voilà, ça permet de décorer un petit peu la pièce et puis de voir que on a aujourd'hui plus de 350 étudiants qui sont passés dans l'école. Donc c'est quand même une belle réussite. Vous avez pu les recevoir un par un. Enfin, vous avez pu nouer quand même une relation avec chacun d'entre eux. Ah bah oui, puisque moi je les vois en fait, je les vois tous, y compris en formation continue, puisque je fais même un module en formation continue, et je garde plusieurs week-ends, et puis évidemment les étudiants de magistère, moi je fais les entretiens individuels avec eux au moins 2 fois dans l'année, et puis à côté de ça, bah bien sûr, chaque fois que je le vois, chaque fois que je passe, j'ai l'occasion de discuter, et je suis là à tous les moments importants, donc voilà. Vous avez aussi la toque de la directrice de l'ICEP. Alors c'est, en vérité, ça n'est pas la mienne. Ça fait partie des choses qu'on remet aux étudiants lorsqu'ils sont diplômés. Avec une écharpe, on a voulu renouer en fait avec des traditions universitaires qui se sont un peu perdues, plutôt que de reprendre ce fameux, vous savez, chapeau qu'on voit maintenant, qui est en fait le chapeau qui vient des États-Unis et que reprennent maintenant les grandes écoles. On a voulu renouer avec des choses plus traditionnelles aux couleurs de l'ICEP. Et puis, bah évidemment, l'engagement de chaque étudiant, ils reçoivent leurs petits pins parce qu'ils ont participé au stage d'aguerrissement. S'ils sont majors également, ils ont un pins supplémentaire pour les majors de promotion. Donc voilà, c'est un moment, la remise des diplômes, qui est un moment solennel de convivialité, et on a voulu que ce soit fait de la façon la plus traditionnelle possible et la plus conviviale. Le combat culturel a toujours été quelque chose qui m'attirait déjà en politique, et je mettais déjà un point d'honneur à pousser les jeunes à s'engager dans cette voie, parce que je trouvais que c'était quelque chose d'important et qui n'était pas forcément très présent dans l'esprit, en particulier des militants de la droite en général. Et c'est vrai que le domaine de l'éducation m'intéressait, parce que je pense que c'est un domaine absolument fondamental et essentiel, et que le redressement passera aussi par là. Et c'est vrai que j'ai fait un constat, celui que, notamment dans le domaine des sciences politiques, alors aujourd'hui on trouve des filières souvent mixtes d'ailleurs à l'université, mais qui ne sont pas nécessairement la voie royale dans la science politique, et que sinon vous avez une hégémonie finalement de ce qu'on appelle les IEP, et notamment de Sciences Po Paris, qui sont un peu la voie royale par lequel passent beaucoup d'étudiants, et qui, très souvent, je m'amuse à les qualifier de moule à gaufres finalement, parce qu'ils nous solent plein de gaufres bien pensantes, pétries de politiquement correctes, et qui malheureusement, pas tous bien sûr, mais contribuent, je vous le disais tout à l'heure, à façonner une espèce de vision uniforme du monde et de la politique, qui évidemment ne contribue pas au pluralisme, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui même parfois se perdent dans un sectarisme, un terrorisme intellectuel qui frôle même la censure, qui ne fait pas que la frôler d'ailleurs, parce qu'on a de nombreux exemples, y compris à Sciences Po Paris, de conférences qui ont été annulées, d'intervenants malmenés et compagnie. Donc c'est vrai que je voyais qu'il y avait là un besoin. Les écoles de Sciences Po en Espagne sont gangrenées par une gauche qui est omniprésente au sein de l'école, et surtout par une absence totale d'esprit critique et de liberté de penser. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'on a lancé l'ICEP Madrid avec peu de moyens, avec les moyens du bord, et très rapidement, la nouvelle a pris comme une traînée de poudre, et dès la première année, avec seulement quelques interviews télé, avec quelques publicités ciblées, on a décidé d'avoir un numéro d'étudiants assez restreint pour faire vraiment une vraie sélection et avoir que 21 étudiants en cours. Et la première année, on a eu 170 demandes d'admission, ce qui nous a permis de faire un tri et de sélectionner vraiment la qualité des étudiants qui ont intégré la première promotion de l'ICEP Madrid. C'est de là qu'est né l'ICEP, et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que c'est la fusion de deux projets, à la fois un projet d'une part de business school, un projet de sciences politiques, et on aboutit à cette espèce d'école qui a un programme à la fois très pluridisciplinaire et dans le même temps qui allie le management et la science politique.
Donc des programmes un peu hybrides qui permettent d'allier à la fois pensée et action, formation intellectuelle et en même temps capacité à être un chef de projet dans toute sa dimension. Est-ce qu'on peut dire finalement que créer l'ISEP, c'était une manière pour vous de poursuivre votre engagement politique, au sens peut-être métapolitique ? Moi, je l'ai toujours vu comme une continuité. Alors après, c'est vrai que je ne suis pas... Alors, c'est pas un combat électoral. Il n'y a aucun lien avec des partis politiques. C'est une école totalement apartisane, indépendante. C'est une école privée qui ne touche aucune subvention publique. Les donateurs sont des donateurs français. L'immense majorité, d'ailleurs, pour ne pas dire la quasi-exclusivité, sont des particuliers. Donc c'est une école totalement libre de toute attache partisane, j'entends. Mais en revanche, oui, j'y vois de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire une école au service du redressement national, en contribuant à notre échelle à essayer de former une jeunesse qui soit capable de penser par elle-même, à qui on ne dit pas ce qu'elle doit penser, mais à qui on donne des armes intellectuelles pour précisément penser par elle-même et ensuite mettre ses compétences au service de leur conviction demain, que ce soit d'ailleurs dans le monde politique ou dans le monde privé de l'entreprise. C'est une manière pour vous de lutter contre le wokisme ambiant ? Alors en tout cas, ici, c'est un sanctuaire, ça c'est sûr. Nous faisons en sorte que toutes ces idéologies néfastes n'arrivent pas jusqu'ici, qui sont des idéologies en plus extrêmement sectaires, discriminantes, et puis d'une bêtise crasse, c'est bien ce qu'on peut dire, et qui entraîne un certain nombre de dérives au détriment précisément de l'excellence et de la réflexion. Parce que le plus souvent, ce sont en plus des idéologies qui poussent à sacrifier des matières au prétexte qu'il faudrait désoccidentaliser les savoirs parce que ces savoirs seraient intrinsèquement racistes. C'est ce qu'on entend dans certains discours woke et c'est à ce titre-là qu'on voit, ça arrive doucement en France, mais qu'on voit déjà dans les pays anglo-saxons notamment, des matières qui disparaissent, l'étude de certaines grandes œuvres comme l'Iliade qui sont marginalisées, la fin de l'apprentissage du latin et du grec. Donc on voit bien qu'il y a cette espèce de tendance et évidemment ici nous en préservons les étudiants. Quelle serait au final la plus belle réussite avec l'ISEP ? La plus belle réussite, c'est d'avoir des étudiants qui... sincères derrière dans la vie professionnelle avec succès, qui non seulement des compétences, on va dire, opérationnelles, mais qui ont acquis ici la capacité à penser librement, à exprimer cette pensée librement acquise, à servir des convictions, à mettre du sens dans leur projet, que ce soit des projets plus privés ou politiques, à ne pas uniquement se servir eux-mêmes, mais à intégrer cette dimension nationale, sociale, territoriale dans leur façon de penser. Je pense que c'est une femme visionnaire. Visionnaire en ce sens qu'elle a su, à un moment donné, trouver, non pas la niche, mais trouver ce qui manquait à la France. Un organisme de qualité, composé de gens compétents, et présentant et proposant un cursus hors norme qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et je pense que Marion a eu cette grâce divine, dirais-je, de pouvoir effectivement entourer de gens de compétences, comme Thibault Monnier, par exemple, et surtout, et d'autres. Et donc, ça c'est la plus grande fierté quand les étudiants en entretien nous disent c'est vrai qu'il y a un avant et un après. Je me suis traînée à l'université, je me suis pas plu, et ici, j'aime apprendre. Et puis en plus, un apprentissage qui est un apprentissage enraciné. On les apprend à acquérir avec humilité tous ces savoirs ancestraux, même millénaires, que ce soit sur le plan historique, sur le plan de la pensée. Et ça, en soi, on est aussi des passeurs de conscience, de valeurs, d'intelligence à notre niveau, et c'est une belle mission. On vous sent très fier de ce projet qui est une réussite entrepreneuriale. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a eu un effet Marion Mania où des étudiants, des professeurs se sont pressés, bousculés pour venir rejoindre votre école parce que c'était l'école de Marion Maréchal ? Écoutez, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une incarnation qui est
qui aujourd'hui était très vrai au début, mais qui me dépasse à l'heure où on parle, j'en suis convaincue, parce que cette école, elle a vécu, elle a acquis une crédibilité académique, que les étudiants qui viennent aujourd'hui viennent aussi parce que d'autres étudiants ont été les ambassadeurs de la qualité des programmes. Et moi, je vois bien, quand on recrute les étudiants chaque année, notamment en magistère, qu'aucun me dit « je viens parce que c'est l'école de Marion Maréchal », enfin, je veux dire, ils viennent parce qu'ils ont un projet professionnel. Et parce que précisément, ils ont vu le pluralisme du programme, cet équilibre entre le management et la science politique, et que tout ça les intéresse et les séduise. Et donc voilà, c'est une démarche, on va dire, scolaire comme une autre de ce point de vue-là. Et parmi les enseignants, vous savez, moi, j'ai envie de vous dire 99% des enseignants qu'on a, et on en a quand même une cinquantaine en tout, sont des gens qui n'ont jamais fait de politique de près ou de loin. C'est tous d'ailleurs, de manière générale, on privilégie des gens qui ont une expérience d'enseignant, que ce soit dans le monde universitaire, dans des écoles supérieures privées ou autres, ou qui sont des praticiens dans leur domaine de compétences. Mais je vous dis, l'immense majorité n'ont jamais touché à la politique de près ou de loin. Donc il y a d'abord une adhésion à un projet pédagogique, à une vision pédagogique. Et cette exigence qui est appliquée par Marion Maréchal, c'est une exigence aussi, vous qui la connaissez personnellement, qu'elle s'applique à elle-même? Bien sûr. Finalement, tout ce qui se passe dans les CEP, c'est le reflet du choix entrepreneurial qu'elle a fait et de son investissement auprès de nos enseignants, de nos étudiants. Voilà, très souvent, les gens pensent qu'on ne voit jamais Marion. C'était fou. C'est pas vrai. Marion, elle fait partie intégrante de l'esprit du CEP. Est-ce qu'il y a eu une levée de bouclier lorsque vous aviez créé l'ICEP? Je crois que vous avez parfois été vandalisé, les vitres ont été brisées. Est-ce que ça a parfois été dur? Alors en réalité, je veux pas. Bon, évidemment, de toute façon, quand vous créez quelque chose à partir de rien, que vous soyez entre guillemets une école connotée ou pas, c'est difficile en France. Hein, et voilà, il y a beaucoup d'obstacles administratifs, juridiques, financiers. Bon, néanmoins, je trouve qu'il y a eu finalement assez peu d'immenses difficultés. Il y a eu en effet deux, trois vandalisations qui ont eu lieu, mais rien, on va dire, de dramatique. Et puis voilà, ça s'en est plus là. Bon, au début, les relations avec le rectorat ont été un peu plus compliquées, mais aujourd'hui, on va dire qu'elles se sont parfaitement normalisées. Non, ce qui a été le plus difficile, c'est le traitement médiatique. Traitement médiatique qui est en totale méconnaissance de la manière dont fonctionne une école supérieure privée, raconter tout et n'importe quoi, balancer encore des fausses informations, des faux chiffres. Hein. Et donc ça, c'est vrai que c'est toujours désagréable de voir notre réputation salie quand on voit ce qui a été fait en seulement 4 ans. Parce que l'ICEP aujourd'hui, je vous dis, c'est une filiale en Espagne. C'est quand même des partenaires internationaux, que ce soit au Liban, que ce soit même en Russie ou en Hongrie. Donc c'est quand même une école qui arrive à créer un réseau international, à se faire reconnaître, qui aura probablement d'autres partenaires demain, je l'espère même d'autres filiales, et donc qui s'est installée dans le paysage et qui chaque année voit de plus en plus d'étudiants postuler. Donc c'est vrai que bon, il y a toujours cette dimension un peu désagréable de ne pas toujours maîtriser son image de ce point de vue-là. Enfin, je veux dire, après, c'est le jeu. Marion Maréchal, sans doute un de ses plus grandes réussites de son projet professionnel, c'est la création de cette école, qui est vraiment une bouffée d'oxygène dans le domaine de l'éducation pour former les jeunes, les étudiants, à avoir une position d'acteur en France. Comment vous voyez l'ICEP dans 5 ans, 10 ans? C'est quoi la prochaine étape? Bah, il y a beaucoup d'étapes. L'idée, déjà, c'est de pouvoir demain créer un véritable campus universitaire. Ça, c'est dans un projet à relativement court terme sur lequel nous aimerions travailler. Nous essayons de lever des dons pour ça, pour pouvoir monter en puissance, accueillir encore davantage d'étudiants et donc lancer de nouveaux programmes. C'est en cours. Moi, ce que j'aimerais demain, c'est que l'école, l'ICEP, devienne l'école de référence, finalement, de la formation des élites françaises, notamment en sciences politiques. Ça, c'est évidemment l'objectif ultime. Alors, c'est un projet sur le moyen, long terme, hein, il ne faut pas être pressé. C'est un projet qui demande de la patience, de la pugnacité, du sérieux, parce que rien n'est jamais acquis dans une école. Tout est toujours à faire demain. Et même quand des choses ont été réussies, pour qu'elles continuent de l'être, voilà, ça demande une exigence permanente. Mais j'y crois. Quand vous regardez même l'histoire de Sciences Po, c'est intéressant parce que
Sciences Po se crée au lendemain de la guerre franco-prussienne, d'une grande défaite militaire. Alors, au départ, vous avez 70 étudiants à Sciences Po. Puis après, l'école sera nationalisée. Bon, voilà, on connaît l'histoire. Puis aujourd'hui, malheureusement, elle sera loin de ce qu'elle était au début. Il y aurait une école plutôt tocquevillienne, attachée à la pensée libre et puis au débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une défaite militaire. On est dans une défaite, pour moi, j'ai envie de vous dire, morale, politique, une espèce de désespérance, un sentiment de trahison, justement, de ces élites à qui on a parfois le sentiment d'avoir tout donné et qui sont passées justement par ces écoles et qui sont peu reconnaissantes de cela. Et donc, d'une certaine manière, il y a une forme de parallèle et je ne vois pas ce qui, demain, à partir du moment où il y a une demande, pourrait nous empêcher d'atteindre cet objectif. Et moi, j'aime beaucoup Maria Maréchal parce que c'était par son intégrité personnelle de vie. C'est pas la première qualité que je regarde, mais moi c'est une chose c'est important parce que une forme de la sincérité n'est pas la vérité, mais déjà d'avoir quelque chose de sincère c'est déjà pas mal. Mais en plus de ça, elle est très bien intellectuellement câblée, si vous voulez. Elle met pas le couteau dans l'os quand elle coupe le poulet, elle met bien les articulations, donc elle a une structuration intellectuelle qui fait que quand on parle avec elle, on comprend et on avance et on reconstruit. Donc il y a une qualité de la personne, une qualité de l'équipe qu'elle a constituée autour d'elle. Je vois, il y a Édouard Husson qui est ici dans l'école aujourd'hui. Que les gens lisent les travaux d'Édouard Husson sur l'Allemagne, sur différentes choses. Et on a des gens de grande pointure qui sont ici, qui enseignent, et avec des étudiants qui baignent dans une atmosphère sympa. Certains analystes expliquent que ce passage dans la vie privée vous a permis de prouver vos compétences dans le domaine avant d'envisager un retour en politique. Est-ce que c'est le cas ? Ah oui, indéniablement, parce que moi j'ai quitté le monde politique, donc j'ai été députée très jeune pendant 5 ans, donc j'ai appris en marchant, si je puis dire, ce métier de parlementaire, mais je n'avais aucune connaissance dans le domaine privé, même si c'était un univers qui ne m'était pas totalement étranger du fait que dans ma famille, bon, évidemment les plus connus sont en politique, mais l'immense majorité des gens autour de ma famille travaillent dans le privé, dans le monde entrepreneurial, ont pu ou été chef d'entreprise aussi, donc... Et donc c'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai repris d'ailleurs des études. C'était assez marrant de se remettre sur les bancs de l'école, puisque j'ai fait une formation à l'EM Lyon, qui a duré à peu près un an et demi, qui était précisément une formation sur le plan entrepreneurial, managérial. Et puis en parallèle, donc, monter cette école avec une équipe de gens qui étaient aussi plus expérimentés que moi dans ce domaine. Et donc l'alliance des compétences ont permis d'aboutir, mais c'est vrai qu'en 5 ans, j'ai dû me confronter aux problématiques financières, juridiques, comptables, managériales. Ça a été vraiment un apprentissage à 360, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on peut vous souhaiter un bon retour en politique ? Ce qui est sûr, c'est que voilà, aujourd'hui, c'est une notoriété publique. La politique m'attire, c'est indéniable. J'ai toujours eu le souci de mon pays, ça ne m'a jamais quitté. Je continue de m'indigner devant certaines choses, d'espérer devant d'autres. Donc, je ne suis pas aujourd'hui vous dire où et quand et avec qui et comment, mais c'est vrai que ça m'attire. Néanmoins, et ça fait partie aussi des raisons importantes, c'est que l'ICEP aujourd'hui est un projet auquel je tiens énormément. Et donc il faut que l'ICEP continue de vivre quel que soit le choix que je fasse. Et donc il faut être capable de s'organiser aussi par rapport à ça. Alors justement, vous êtes libre de me répondre, mais vous avez fait l'actualité il y a 10 jours. Depuis, on ne vous a plus entendu. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Je ne vais pas vous répondre. Voilà. C'est bon, je pense que je me suis suffisamment exprimée sur le sujet ou on a suffisamment parlé à ma place. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'ICEP, du coup, pour la suite ? Tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire succès, étudiants, insertion professionnelle réussie, école de référence, campus universitaire, partenariats internationaux, filiales en Europe, enfin bref, toucher les étoiles, quoi. Dans un bar à vin, près du quartier de Perrache, à Lyon, les étudiants partagent avec leurs enseignants régulièrement un moment de convivialité après les cours. Ils mettent ainsi en pratique leurs connaissances acquises durant des stages d'initiation à l'œnologie proposés par l'ICEP. Bon, à l'ICEP, hein. À l'ICEP. À l'ICEP.
Ben, si, quand on cultive la tradition française, l'enracinement, il me semble que c'est essentiel de transmettre un savoir, et un savoir qui peut se perdre si on n'y prend pas garde. Donc effectivement, ça fait partie comme... Il faudrait qu'on fasse de l'escrime aussi à l'ICEP, je pense, parce que c'est un sport que la France a toujours su cultiver. Et puis il y a la danse, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, est-ce que tu peux te présenter d'abord ? Oui, je m'appelle Sixtine Delettre, je suis assistante administrative ici à l'ICEP et je suis également responsable de la bibliothèque. Donc, il faut savoir que nous comptons actuellement plus de 3000 ouvrages, okay. Que ce soit dans des domaines un peu plus généraux comme la philosophie, le droit, l'économie, mais aussi dans des domaines un peu plus dans la gestion d'entreprise comme le management ou le leadership ou bien le marketing. Donc voilà. Et ils viennent d'où tous ces ouvrages ? Comment vous l'avez constitué cette bibliothèque ? Alors la majorité des ouvrages ici, ce sont des dons de nos fidèles donateurs. Nous nous procurons également quelques ouvrages que nos intervenants conseillent de lire à nos étudiants au début d'année. Ça recoupe un peu effectivement tous les sujets. On voit art, poésie, théâtre. Voilà. Histoire de l'Église aussi, exactement. Judaïsme, islam aussi, ça c'est intéressant. Voilà, ils ont vraiment de tout pour approfondir leur culture générale. Et là vous avez des très beaux livres aussi en haut, alors ça c'est des dons, c'est ça ? Ça c'est des dons, voilà, ça c'est des dons. Les donateurs, que ce soit pour des raisons de déménagement ou bien simplement parce qu'ils aiment ce projet, donc ils souhaitent participer pleinement à ce projet, et ils nous donnent tous ces ouvrages-là. Est-ce qu'il y a un choix idéologique dans les livres qui sont ici dans cette bibliothèque ou c'est vraiment très ouvert ? Alors non, c'est tout à fait, c'est vraiment ouvert. En fait, les donateurs, nous leur conseillons une liste sur notre site internet d'ouvrages que les intervenants conseillent comme lecture à nos étudiants. Mais pour la plupart, ce sont des ouvrages que les donateurs nous donnent vraiment en pleine liberté. Donc nous avons vraiment, vraiment de tout. Et quel serait le livre préféré de Marion Maréchal ici ? Oula, alors je pense que c'est à vous de lui demander, mais en tout cas on reçoit notamment beaucoup de livres en ce qui concerne la géopolitique par exemple. C'est vraiment un domaine qu'on reçoit beaucoup, ou bien sur des essais politiques. C'est vraiment les ouvrages qu'on reçoit le plus souvent. Et nous recherchons notamment plus des ouvrages en ce moment dans le management justement, ou bien dans les langues. C'est ce qui nous manque le plus en ce moment dans notre bibliothèque. Eh bien, ça permet de faire passer le message. Simplement, pour les étudiants, comment ça fonctionne ? Ils peuvent emprunter les livres ? Alors voilà, oui, en fait, c'est exactement. Il y a un logiciel qui sont mis à leur disposition. Donc, ils peuvent emprunter plusieurs livres par mois. Et en fait, la bibliothèque, c'est vraiment le cœur de l'ICEP, c'est-à-dire que les étudiants y participent pleinement au cours de l'année. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont faits au cours de l'année pour eux, notamment pour couvrir les livres, pour les trier, pour les classer. Et donc, c'est ça qui fait que l'ICEP a un côté un peu plus familial, où vraiment tous les étudiants sont engagés pleinement dans le projet. Et nous aide beaucoup pour cela. Ok, bah je vais faire un test, je vais prendre un livre au hasard, hein, je ne regarde pas. Allez. Bernard Stiegler, La télécratie contre la démocratie. Là, c'est très pointu ça. Ah, il y a des domaines très spécifiques, alors ça peut être à la demande des professeurs ou bien des demandes des étudiants aussi qui souhaitent approfondir leur culture générale et donc qui nous demandent des ouvrages en particulier. Est-ce qu'il y a des romans aussi ? Oui, alors tout le côté roman est ici, donc avec la littérature, donc il y a plusieurs romans aussi. Oui, ils peuvent retrouver tous les classiques, littérature française. Voilà, exactement. Alors Léa, toi tu es directrice de la communication de l'ICEP, et je vois qu'il y a un studio TV. Alors qu'est-ce qui se cache du coup derrière ces portes ? Alors un plateau de télévision. Ah oui, carrément. Voilà. Qui est très utile pour les étudiants qui ont pas mal d'heures de média training. Voilà, donc ils sont en situation réelle avec trois caméras, des micros, on a une régie. Et puis du coup on fait le montage en direct. Et en fait ce qui est hyper intéressant, c'est que on les filme avec le son, voilà, et puis en fait après on re-regarde. Et du coup, ils voient tous les petits défauts visuels, ils voient tous les défauts sonores aussi, typiquement la montre qui tape sur la table, voilà. Donc en fait, en regardant, ils progressent.
Voilà, donc ça c'est pour les étudiants de master, les étudiants de formation continue aussi. Okay. Et puis on fait des formations thématiques, des week-ends juste média training. Okay. Voilà, et les gens sont assez friands. Et c'est pour apprendre l'exercice typique de radio par exemple, face à la radio, des choses comme ça. Alors radio, nous on essaye de faire visuel, donc okay. Du coup avec les caméras. Après c'est un exercice. Ça les entraîne aussi. Ouais, c'est du ça. Coup, ok. Et vous avez une émission, je crois, Lycépien, c'est ça? Ouais, alors c'est le média des étudiants. Donc ils ont lancé ça il y a 2 ans. Et du coup, ils font plusieurs séries de vidéos. Donc ça peut être des micro-trottoirs, des interviews de conférenciers. Et puis le studio notamment est utilisé. On organise des conférences ponctuelles. Et avant la conférence avec le public dans la salle à côté, et ben il y a des étudiants qui interviewent le conférencier. D'accord. Voilà, pour avoir une petite exclue. Est-ce qu'il arrive à Marion de briefer aussi ses étudiants, de leur faire du media training directement? Ouais. Généralement, enfin ça arrive qu'elles viennent et puis qu'elles donnent ces petites astuces. Voilà, comment est-ce qu'on prépare une intervention média? C'est assez. Et alors, les étudiants sont quand même assez, ils sont très à l'écoute, quoi. Et c'est quoi le secret de Marion Machin pour réussir toutes ces interviews? Je pense qu'elle vous le dira mieux, mais moi ce que j'avais retenu vraiment, et ça, c'est le travail, quoi. En fait, il y a 80% de travail, 20% de talent. Depuis la première rentrée de l'ISTEP en septembre 2018, 338 élèves se sont inscrits en magister et en formation continue, tous avec des profils et des parcours différents. Moi, c'était en partie pour fuir la fac. J'ai fait une licence d'histoire avant. C'était pas, j'en ai pas des mauvais souvenirs, mais je trouve qu'il y a des défauts dans les formations aujourd'hui dans le public. Et quand j'ai vu qu'à l'ICEP, on pouvait vraiment avoir plein de disciplines très différentes et puis à la fois, en fait, à la fin, qui pourraient se regrouper dans le monde professionnel, je me suis dit que ça valait le coup de tenter cette formation-là. Moi, j'arrive de prépa littéraire. Donc, j'ai fait 3 ans avant de venir ici. Donc, c'était un peu un pari au départ parce que c'est assez différent de ce que je faisais avant. Mais c'est ce qui me plaît, en fait, c'est d'avoir aussi un côté culture G. Je pense que tout le monde le voit bien, on a de l'histoire, on a de la géo, on a même eu de la philo, et ça, je pense que c'est essentiel pour notre culture générale, et c'est génial de l'avoir même dans des études de management ou de politique. C'est une vraie plus-value pour moi. Enfin, je suis contente d'avoir ça en plus. J'ai fait une double licence en lettres et sciences politiques, et c'était une formation déjà qui était très complète, et du coup, le fait qu'il y ait l'ICEP qui existe, pour moi, c'était... c'était tout trouvé, c'était vraiment cohérent avec ce que je faisais avant. Et j'en trouvais même un truc en plus avec l'ICEP, parce qu'il y a vraiment l'aspect concret du management et aussi du business case qu'on a à faire en Master 1. Et c'est vraiment c'est vraiment le trou que j'ai pu combler dans mes études. Et je suis très contente du coup d'avoir fait l'ICEP, parce que ça me permet vraiment d'avoir des connaissances dans des choses que j'avais pas du tout avant en simple licence de Sciences Po et Lettres, quoi. Alors moi, j'ai fait une licence de droit et un master 1 en droit public. Et après, en fait, je suis partie en humanitaire avec l'association SOS Chrétien d'Orient pendant presque un an, en Liban et en Syrie. Et quand je suis revenue, il fallait que je trouve des études. Et sur un coup de tête, j'ai choisi l'ICEP. Parce qu'en fait, je trouvais justement à l'ICEP, c'est ce qu'a très bien dit Clotilde, en fait une alliance entre la théorie et la pratique, entre la culture générale et les matières où il faut réfléchir, essayer de comprendre le monde, et l'application concrète, comment est-ce que nous, on peut essayer de changer les choses, comment est-ce qu'on peut essayer d'intervenir dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai choisi. Okay. Et je suis très contente. Moi, j'aimerais bien plutôt m'orienter dans la politique. Pourquoi pas au niveau local, auprès d'un élu, ou bien dans la communication politique. Et vous qui connaissez bien le milieu de l'éducation nationale, comment vous expliquez les freins, le retard qui a été mis pour vous donner à l'ICEP des diplômes d'État, enfin pour vraiment vous considérer comme une véritable école? Alors, c'est bien que vous me donniez l'occasion de détruire une légende. Et je vois que vous-même, vous êtes influencé par un discours qu'on entend partout, mais qui ne veut absolument rien dire. Toute école qui se crée, toute école d'enseignement supérieur, elle a besoin de temps avant d'engager une démarche avec l'État sur la question de la reconnaissance des diplômes. Alors, premier élément de réponse, l'école est reconnue par l'État, parce que sinon elle n'aurait pas pu ouvrir. Il y a eu une démarche qui a été faite auprès du rectorat, et le rectorat, qui a reçu et qui reçoit chaque année les syllabus, c'est-à-dire les programmes de cours, les CV des professeurs,
qui peut vérifier ça chaque année, confirme que l'école ne contrevient pas aux lois de la République, qu'elle est, elle est une école où on enseigne selon l'esprit de toujours. Et ça, c'est le rectorat. Alors effectivement, j'ai été moi-même recteur, donc des ouvertures d'école, j'en ai fait. Et donc je peux vous dire que peu importe la matière enseignée, peu importe le nom du fondateur, on regarde toujours les mêmes choses. D'abord, on regarde si c'est quelque chose de sérieux, s'il y a des vrais programmes, s'il y a des procédures de recrutement des étudiants. Et puis, on vérifie ça d'année en année. Ensuite, il y a une autre question qui est celle de savoir si les diplômes délivrés par l'ICEP, puisque l'ICEP délivre déjà des diplômes, et ces diplômes, ils ont de la valeur. Ils ont la valeur que donne leur professeur, ils ont la valeur que donne l'apprentissage des étudiants. Eh bien, on peut imaginer un jour que ces diplômes, nous souhaitions ici avoir une reconnaissance de l'État. Alors la reconnaissance, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être le grade de master pour le magistère. Et donc ça, c'est une démarche qui sera faite en temps et en heure. Et puis, il y a déjà une démarche RNCP qui a été entamée. Et puis, il y a aussi le label Calliope qui lui a été obtenu. Donc si vous voulez, là, je vous demande, je vous fais passer un message auprès de vos confrères journalistes, si vous pouviez leur expliquer que ce qu'ils disent, quelle que soit la chaîne, et même sans mauvaise intention, sur le thème « cette école n'est pas reconnue par l'État », c'est tout simplement faux, puisque si elle n'était pas reconnue par l'État, elle n'aurait pas pu ouvrir. Bonjour Clémence, donc vous étiez étudiante à l'ICEP, aujourd'hui vous êtes dans la vie professionnelle, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ? Bonjour, donc je suis effectivement Clémence Thier, j'ai fait partie de la promotion Pierre Ventral à l'ICEP, donc j'y étais en magistère de 2019-2021, et depuis début janvier je travaille en tant que directrice de cabinet dans un très charmant village de Provence. C'est le fait d'avoir été étudiante à l'ICEP qui vous a permis de trouver assez rapidement, un an après, ce poste du coup dans la vie active. Oui, alors j'ai eu mon diplôme juste à l'automne dernier. On a eu notre remise de diplôme en novembre. Et puis, vous imaginez, ben, quelques mois plus tard, j'ai déjà du travail. On a entendu par le réseau de l'ICEP l'ouverture de poste dans ce village. Et puis, s'en est suivi une procédure classique de lettre de motivation, CV, puis entretien. Et puis, voilà, comme vous pouvez le voir, ça a marché puisque je travaille ici. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, les enseignements aujourd'hui manquaient de pratique et qu'on était toujours beaucoup dans la théorie et qu'on sortait de l'université. Et en fait, on se retrouvait avec beaucoup d'apports théoriques, mais du coup, pas de pratique. Et c'est pour ça qu'on est parti aussi sur un choix pédagogique de mettre au centre deux piliers bien distincts et d'avoir à la fois ce côté management et sciences politiques qui nous paraissaient du coup se répondre mutuellement et apporter ce côté pratique à la théorie. On a deux années de master, donc accessibles avec une licence. Nous ne faisons pas de sélection à la filière, donc on n'attend pas une licence prédéfinie pour s'inscrire à l'ICEP. Donc on est sur Bac plus 4, Bac plus 5. En Bac plus 5, ils ont un stage obligatoire de 3 à 6 mois, donc on est sur une année un petit peu plus courte avec un volume horaire un petit peu plus moindre en fait que la première année. Pour vous donner une idée, en première année, on est sur 523 heures d'enseignement et en deuxième année, 389. Donc on est quand même sur des volumes horaires importants. Après avec nos différents piliers pédagogiques, à la fois le management, comme je vous disais, qui va recenser énormément de cours de management de projet, management de changement, mais aussi de la comptabilité. Nos étudiants adorent la comptabilité. Ils y arrivent toujours à reculons, puis en fait, après, ils comptent tout de suite dans la pratique. Et du coup, la mise en application concrète, et je pense que ça leur répond, on a de la fiscalité, des choses comme ça. Et puis, évidemment, on a aussi tout le pilier central de l'ICEP qui va être la prise de parole en public, le média training, voilà, toutes ces choses-là qui nous paraissent essentielles dans la communication, qu'on soit demain chef d'entreprise, dans le domaine privé ou public, c'est des choses qui sont essentielles. Alors, on peut dire que l'ICEP est une belle réussite financière, puisque c'est une entreprise assez récente. Hein. 3 ans, c'est très court, surtout pour une école supérieure et une école comme la nôtre qui ne touche aucune subvention ni de l'État, ni des collectivités. Et c'est vrai qu'il y a une croissance énorme, notamment de notre chiffre d'affaires, hein, qui double par rapport à l'année dernière. Là, je suis justement dans le
dans le bilan qu'on va présenter demain en Assemblée Générale, et ben, on est content de montrer à tous nos membres bah, que même financièrement, c'est une réussite et que Marion et toute son équipe ont réussi on a fait des bénéfices encore cette année. Oui, c'est une belle réussite entrepreneuriale. Et ça vous permet d'investir dans de nouveaux projets pour la suite? Exactement. En fait, puisqu'on a des bénéfices, on va les mettre en réserve. Puisqu'on a des grands projets, l'ensemble de l'équipe a des projets pour développer l'ICEP, l'agrandir. Vous avez vu que nos locaux sont un peu rétrécis. Et puis, on a des projets pédagogiques aussi importants. Depuis l'ouverture en 2018, on a beaucoup... beaucoup plus d'étudiants et puis surtout on a créé des nouvelles formations voilà, on a un projet de développement très important et rapide. Moi, c'est pas la première entreprise où je travaille, vous pouvez l'imaginer, et je suis épatée des chiffres qu'on peut faire. Alors en fait, à l'ouverture de l'ICEP, les administrateurs ont voulu vraiment déjà faire une scolarité peu chère par rapport aux autres écoles supérieures, et au-delà de ça, on trouve que c'est très important d'avoir un côté social pour permettre à des étudiants qui ont les capacités et l'envie de faire cette école supérieure où ils travaillent beaucoup, donc on leur offre des aides, c'est-à-dire des remises de scolarité plus ou moins importantes suivant le cas social de l'étudiant qui fait la demande. Aujourd'hui, Marion Maréchal, forte d'un projet en pleine expansion et pleine d'ambition pour son école. Partenariat à l'étranger, développement d'un campus universitaire, nouvelles formations. Mais alors qu'il se murmure un retour en politique qui pourrait être imminent, quel sera l'avenir pour l'ICEP? L'école, au projet métapolitique dont de nombreux futurs dirigeants en sont déjà issus, est-elle un tremplin de choix pour relancer l'ambition politique de sa directrice?